Et salut YouTube, comment ça va? Nous sommes sur Hollow Knight, un petit jeu fort sympathique, un Castlevania, un Metroidvania, pardon, sorti en 97. Ah oui, enfin bon, juste à droite, du coup, je l'ai pas vu. Et au dernier épisode, on s'est fait deux petits boss, et on a avancé un petit peu dans notre quête, qui pour l'instant va nous rester bien mystérieuse. Et là, on vient de faire le débidoux. Les musiques, l'ambiance, les décors sont très très jolis, c'est très plaisant. Oui, alors moi je veux bien, mais ça a l'air un peu haut. Donc du coup, la suite n'est pas par là. Il a dû repartir. Jojo le toxico, ouais. On va le retrouver, je pense, à Dartmouth. J'espère qu'à trouver, on trouve une épée un petit peu mieux, parce que là, au niveau puissance, c'est un petit peu la loose. On va prendre le coléoptère pour aller vite jusqu'en ville. L'animation du coléoptère est vraiment cool. J'aime beaucoup. Dartmouth. C'est tout choupi. Ok, donc il est à gauche, notre ami l'enfumé. Bonjour, c'est bien que nous reverrions. Comment trouves-tu une petite boutique? Je me suis installé très confortablement ici pour vendre d'anciennes breloques aux voyageurs comme toi. Si tu prévois un long voyage plus bas, j'ai plusieurs objets qui pourraient grandement améliorer tes chances de survie. Éclat de masque. Très bien, donc je pense que ça va être pour augmenter notre jauge de vie. Fragment de réceptacle de dague, peut-être pour augmenter peut-être notre âme, je sais pas. Une clé simple. Un essaim-cueilleur. D'accord, ça récupère les pièces de monnaie, c'est pas mal. Recevoir des coups de te ramasser plus longtemps après avoir subi des dégâts, très bien. Lanterne de Lumafly. Elle éclaire votre chemin dans les ténèbres, ok, et un 9 France. Bon, on va acheter ça, on sait jamais, hein. C'est un des rares trucs qu'on peut avoir, donc. D'avoir un super secret lié à ça. Oh, mais quelle bonne surprise, notre marchand est revenu. Il vient tout juste de rentrer. J'avais espéré entendre les histoires grandioses de son temps passé plus bas, mais il semble avoir presque tout oublié. Peut-être que c'était bien plus qu'il ne pouvait en supporter. Si tu es intéressé par cette marchandise, fais bien attention, il est dur en affaires. Aucune concurrence, c'est bien ça le problème. C'est mauvais pour les affaires. Non pas qu'ils s'en plaignent. C'est voilà, c'est le monopole, le grand capital. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on peut acheter? Marqueur de scarabée ou marqueur de coquille? J'ai pas encore trouvé de coquille, je pense à prendre le marqueur de scarabée. Ça va mettre sur notre carte, non? Et la France n'est pas un charme. Direction les routes oubliées. Le deuxième siège sur le coléoptère, donc je me demande si on aura un deuxième personnage plus tard qui nous accompagnera. Alors le premier passage vers le haut après le téléphérique c'était dans l'obscurité, on va aller vers les mines, ça m'avait l'air d'être une bonne idée. On avait l'air de pouvoir avancer un petit peu. On confond vitesse et précipitation.
c'est pas la seule au-dessus. Hop là. Et c'est le passage du bas. Est-ce que notre copain le mineur a d'autres choses à me dire? Bonjour, tu cours toujours? Pourquoi ne me rejoins-tu pas ici? Il y a beaucoup de richesses dans ces roches pour tous ceux qui sont prêts à se mettre au travail. Ces cristaux là-bas valent beaucoup de géos, mais j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose de bien plus précieux caché un peu plus profondément. Je veux presque en sentir l'odeur. Tu peux te joindre à moi si tu veux, il y en a assez pour nous deux, mais si tu n'as pas envie de creuser, tu peux juste t'asseoir et chanter avec moi. Genre de vos épaules. Voilà. Et on ne peut pas encore acheter la carte. D'accord, je suppose qu'il me faudra un stomp pour passer à travers. C'est pas encore par là. On est où? On va traverser, puis il reste des passages à gauche qu'on n'a pas encore explorés. Bravo. Hop. Heureusement qu'on a le soin avec nous. J'ai pas testé si notre pouvoir de boule de feu, on pouvait l'activer en l'air ou pas. Oui, mais ça ne suffit pas à casser le verre qui retient le stick au prisonnier. Dommage. Passage du haut, passage du bas. On va tenter d'abord le passage du bas. On va éviter de cogner sur les mecs quand on est juste à côté des pics. On est déjà assez maladroit comme ça. On a pas besoin de ça. Bon, bah, donc pas par là, visiblement. On va remonter, hein. La voie du pèlerin, les voyageurs d'Alonest traversent les terres sauvages, verdoyantes et des bosquets de champignons pour atteindre la ville située au cœur de ce royaume. C'est là que tous les vœux seront exaucés et toutes les vérités révélées. Ça m'a l'air trop beau pour être vrai. Ok, donc on est sur la bonne route. Puisqu'on a acquis le pouvoir qui nous permet de franchir ce mec-là. Très bien, très bien, très bien.
Bon, j'ai fait un petit détour pour rien, mais c'est pas grave. Vert chemin. Je dis ça, je dis rien, mais un petit vent, c'est super cool. Il est déguisé en buisson. Et on n'a pas de carte pour la zone. Il y a un gros monsieur qui a l'air de puer. Ah bah, il y a des trucs pour tomber et ça n'a pas l'air très sympa. Oui. D'accord, il fait des explosions de gaz. Et quand il meurt aussi, très bien. Bon, ça va. Si ça c'est pas un piège. Un banc, c'est parfait. Mais on n'a toujours pas de carte. Il va falloir à chaque fois les acheter au marchand, du coup. T'es parti sans demander ton reste. Ah, d'accord, ok. C'est moins sympa que les moustiques de base. Quand même pour l'instant très apaisante. On vit dangereusement. Précipité. Ça sert à rien que je me dépêche en plus. Hein. Ok, on peut régénérer 3 points de vie quand on est à notre maximum. Est-ce que ce serait pas notre ami le carto qui fredonne là-bas?
braque aussi comme ça. Cornifère. C'est lui. Cet endroit est un véritable contraste. Comparé aux routes oubliées, si humides et animées, ces routes sinueuses sont une merveille. J'ai fait de mon mieux pour cartographier cet endroit, mais je dois bien admettre que certains des habitants de cette région se sont avérés une véritable nuisance. Vous voulez vous jeter une carte? Oui. D'accord. Bon, on va explorer une petite partie. On va essayer de rejoindre le banc qui était plus haut. Oh non, on va continuer notre exploration. On va pas pouvoir monter là-bas. Et là, c'est un cul-de-sac. C'est un cul-de-sac. Vers le bas, donc. Pas lui. Ce passage m'inspire peu confiance. Hein. La musique non plus ne m'inspire pas confiance. Oh putain! Petit ver, vous approchez sans peur, êtes-vous un chasseur comme moi? Et après, vous avez le besoin de traquer, de tuer, de comprendre toutes sortes de choses. Alors prenez-le, mon journal, cela pourra vous aider. À première vue, le texte semble compliqué à déchiffrer, mais un chasseur expérimenté peut en comprendre les mots. Parcourez les profondeurs de cette terre et tuez les bêtes qui s'y trouvent. Montrez-vous digne de porter la marque du chasseur. Journal du chasseur. Alors, tuez les ennemis pour ajouter des nouvelles données au journal et déchiffrer les notes du chasseur. Très bien. C'était pitoyable, d'accord, ok, on aura des petites infos de background à chaque fois, je pense, sur les... Sur les ennemis qu'on tue. Oh, il y a des balles dures. Meilleur jeu du monde. Oh, c'est balles dures, on va perdre dessus. Pour l'instant, les ombres, on n'est pas croisé, tiens. Je vais même pas aller voir à droite s'il y avait un autre passage. C'est pas comme si ça pouvait être utile. Je suppose que c'est une quête en soi de compléter le journal du chasseur. Je préférais pas prendre de risque. Je m'attendais à ce genre de choses. Encore toi?
Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Ceux qui se mènent des routes du roi blanc doivent faire face à la loi Dune. Donc il y a un passage vers là-bas. J'ai l'impression qu'il n'apparaît pas sur la carte. Il y a un banc. Ah bien ça. Oh, il y a encore un hub. On n'est pas sorti. Bon, on va déjà essayer de rejoindre la zone qui est indiquée sur la carte et puis on explorera tous ces environs plus tard. J'avais pas vu la plante carnivore, tiens. Ok. J'ai 3 points de vie. Encore elle là-bas. Il n'y a pas de passage annexe qui soit pas indiqué sur la carte de Cornifar. On va essayer, pas forcément de tout les explorer, mais au moins de... Ok, donc la Luciole ça a l'air vénère. Et il y a des épines dans tous les sens. Ok. Est-ce qu'on peut aller plus loin? Non. Peut-être qu'un dash pour passer le genre de choses. Les épines, je me demande même pas si ça pique. Ah, je l'ai pas vu, toi. J'ai trop concentré sur mon moustique pour repérer la train. Hop. Vous déplacez aussi comme ça. Tranquille. Un coffre.
Ah, c'était un raccourci qu'on a dû prendre. J'espère qu'on pourra remonter, mais ça serait ballot. Merci. Je suis arrivé comme un rugbyman. Imagine avec le symbole d'un banc et ses régions, oui. Ok, on est passé par la droite, il y a une espèce de caverne en bas qu'on va aller visiter. Très bien. Ok, là on y accédera par l'autre côté. Très bien. Il y aura une espèce de gros qui se base, non? De la mousse et de la feuille, notre vie est tracée. Tant qu'ils poussent sur le sentier, ils ne flétriront jamais. Oula. Bravo. Bien ouais. Par contre, ça m'aide pas parce que j'ai pas ce qu'il faut pour passer donc. C'était bien de tuer, mais c'était pour le beau geste. Heureusement qu'on a un bras à côté. Hein. Ok, on va continuer de monter pour atteindre une espèce de colonne à gauche. Ce timing de saut était complètement foiré. Ridicule. Yeah.
Donc là, non. Il y a un asticot à récupérer, je pense. On entend jindre. Autrefois, le plus grand penseur a rêvé de la feuille et a créé ses cavernes. Dans chaque buisson et chaque vigne, l'esprit d'Oun nous apparaît. Ok, donc Oun, ou Un, ou peu importe, ça a l'air d'être le dieu de ce monde. Oui, bah oui. Bim! Dans ta face. Ça devait être un homme normal. Il n'y avait pas d'indication de boss donc. On va supposer que c'était un homme normal. On n'a pas de trace de l'autre qui nous stalk un petit peu. Problème de digestion. Cool. D'accord. Pas le vendre comme ça. J'arrête de me faire toucher, ça me dit le con. Tiens. Hasta luego. Oh, le chevalier de Tupurax. Comment je suis en train de faire exactement? Tu restes dressé entre moi et ma proie. Sur tes habitudes de causer des problèmes en déboulant de nulle part. Sache que je suis Zot, le redoutable, un chevalier de grande renommée. Si je te croise de nouveau, petit verre, tu découvriras pourquoi on m'appelle mon arme porte-mort. D'accord. Pourquoi me dérange-tu? Je suis un chevalier, je n'ai pas intéressé par tes jeux d'enfants, j'ai besoin de repos. 20 ans, faut que je me dégaine mon aiguillon. Et ça me coupe encore me faire chier. Non. Tu veux dégainer ton petit aiguillon? Hop, ça va nous permettre de rejoindre. Oula, vous êtes nombreux, les gars. Et j'ai mouru.
Putain, c'était loin. Bon bah c'est reparti. Et notre jauge de magie, il est cassé. Est-ce qu'on doit rejoindre le... Ah d'accord, et on a plus de thunes, donc on doit rejoindre notre endroit des morts pour récupérer notre argent, d'accord. Hop. J'ai pensé à dégommer, mais j'ai pas pensé à aller voir là-bas. Très bien, donc on va éviter de trop s'y attarder. L'objectif c'est de récupérer quand même ce qu'on a perdu au moment de notre mort. Il est plus là le gros. Chevalier là. D'accord, il faut vaincre notre fantôme pour... pour récupérer l'argent. Plein de pognon. Ouais, c'est vrai que lui est impressionnant, mais c'est tout. Il y a une station de collecteur vers là-bas. C'est bon, ça va. Pourquoi on peut passer par l'autre? Est-ce que ça aurait pas été plus simple? Sans 40 balles, ça commence à devenir cher.
Est-ce qu'on a besoin de retourner en ville? On va se prendre, on va se faire le tour, il nous manque un truc chez les cartographes, je crois. Marqueur coquille, bim. Alors qu'est-ce qu'il veut lui? Toi là-bas, pourquoi dans le jeu ici les ombres? En effet, tes yeux ne te trahissent pas, je suis un plus redoutable chevalier de grande renommée, tremble devant moi. Tandis que tu te cachais ici dans ton petit village, je me suis aventuré à la fosse obscure en dessous de nous et j'ai tué une bête immense. Elle avait des mandibules acérées et des manières atroces. Oh oui, toute la gloire me revient, hein, mais je n'ai pas le temps pour ton adulation, je dois me reposer et me préparer pour mon prochain voyage en bas. Ouais, d'accord. J'ai une boucle vient d'emménager la maison à côté de la station. Il semble tenir une boutique de cartographie, ce qui pourrait intéresser des aventuriers comme toi. Et sa femme est vraiment très grande. Je lui aurais dit de prendre une plus grande maison, d'autant plus qu'ils sont toutes vides, mais j'ai trouvé celle-ci plus jolie. La façon dont elle se pensait, je peux juste pour passer la porte, moi-même je pourrais pas le supporter. Je sais pas ce qu'on va repeupler au fur et à mesure du village. Bon, on va s'acheter soit les... On va s'acheter un éclat de masque. Boum. Un quart du cœur. Et en route pour la suite de Vert Chemin. Je suppose qu'on va se taper un boss dans pas loin. On va monter et on va voir ce qu'il y a dans cette salle au pilier. Ça me surprendrait qu'on ne rencontre pas tôt ou tard celui ou celle qui arrêtait pas de se retirer quand on approchait. Qu'est-ce qu'il disait? Yo! Ne t'approche pas, fantôme! J'ai été vu te faufiler dans les broussailles pour me traquer. Cet ancien royaume, j'ai beaucoup trop tardé à revenir. Maintenant, une chose horrible se réveille. Je peux le sentir dans l'air. Je sais ce que tu es. Je sais ce que tu veux essayer de faire. Je ne peux pas le permettre. Ok. D'accord, donc ça, ça pique. D'accord, donc ça, c'était ridicule. Bah oui, bien sûr.
Aïe. Merde. Mouru comme un caca. On a bien commencé et on a fait de la merde à la suite. Est-ce qu'on va encore se faire attaquer par Casper le gentil fantôme quand on va récupérer notre... notre santé? Ok. Bon, ça avec rien dans la jauge. Rien dans les poches, rien dans les mains. Du tout que la bonne distance. Bah oui, bien sûr. Ces actions deviennent plus rapides. Hein. Et moi je fais de la merde, c'est pour ça. T'es pas encore morte? C'est pas un peu relou? Bravo Lobo. Et on l'a défoncé. Elle s'enfouit. Cap d'aile de papillon. Appuyez sur RT pour faire une ruée en avant. Utilisez la cape pour effectuer une ruée le long du sol ou dans les airs. Voyons, RT. Oula. Voudra-t-il briser les sceaux? Ils ne peuvent être défaits. Ils doivent être défaits. Petite ombre, laisse-nous dormir. Retourne dans les ténèbres. Laisse-nous en paix. Oh les gros tripes! Je pense que c'était de la bonne. Petit raccourci pour retrouver le banc en dessous. On a combien? 50 minutes de vidéo. Allez, on va peut-être faire une petite pause. Sur ce Twitch, je vous dis à la prochaine, faites ce que vous êtes habituellement avec vos vidéos, et puis des bisous, salut!